Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais faire mal aux anglophones parce qu'on va parler de Shadowrun Returns et Shadowrun Dragonfall, donc qui sont deux jeux vidéo sortis dans l'univers Shadowrun, donc je vais dire beaucoup de mots en anglais et je m'excuse d'avance de mon accent. C'est pas parce que je m'appelle Steven que je parle bien anglais. Donc c'est un jeu créé par, attention, Harebrained Shells, qui sont les éditeurs. Donc il y a une sortie sur Android, sur iPad, sur PC. Le jeu de base est sorti en juillet 2013. Et Shadowrun Dragonfall est sorti en février. C'est un jeu de tactique, un tactique RPG dans l'univers de Shadowrun. Et c'est vraiment la sortie de Dragonfall qui m'a poussé à parler de ce jeu-là comme une inspiration, puisque c'est un jeu vraiment de très très bonne qualité. Le système de jeu en lui-même est pas excellent en termes de gameplay. On n'est pas dans quelque chose de très poussé, mais l'ambiance générale est vraiment excellente, ça permet de découvrir ou de redécouvrir Shadowrun. Moi personnellement, ça m'a réconcilié avec ce jeu. Donc je vais vous expliquer pourquoi il est génial. Premièrement, les personnages, ils sont tous intéressants, ils ont de la profondeur. Les illustrations des personnages sont vraiment belles. Enfin, c'est fou parce que surtout sur Dragonfall où c'est très important, on voit les personnages sont vraiment très approfondis. On est avec une équipe qu'on garde du début à la fin, alors que sur Returns, on embauche des runners. Donc ça va, on va vraiment ressentir cette équipe, les illustrations vont nous donner envie d'aller plus loin, on comprend quand même que c'est des personnages plus ou moins torturés, avec un passé plus ou moins difficile, et au fur et à mesure des missions, ils vont se dévoiler. Donc là-dessus, c'est vraiment super sympa. Et quand on arrive dans le Seamstress Union, dont je reparlerai plus tard, qui est un bar de runner, et qu'on discute avec Coyote, une serveuse qui veut purger tous les drogués, enfin, purger les dealers et rendre une sorte de guerre contre ça. On rentre vraiment avec le personnage et une petite aventure avec elle qui est juste géniale. Donc voilà, c'est vraiment super. L'intrigue principale, j'ai pas encore fini Dragonfall, donc je peux pas vraiment en parler, mais c'est déjà j'en ai fait la bonne moitié, c'est vraiment intéressant. Et sur Shadowrun Returns, on est sur quelque chose d'assez original. On rentre vraiment dans l'univers de Shadowrun. On va nous parler de Matrice, donc les personnages qui vont rentrer sur l'internet virtuel. On va parler de la magie qui est très instable, donc les contre-coups de la magie. On ne puise pas dans du mana mais sur notre corps, donc un magicien ça peut mourir en lançant un sort trop fort, donc c'est assez balèze. Tout ce qui est les corporations, donc qui est vraiment quelque chose d'important dans l'univers. On va être dans des événements qui sont déroulés, donc on en parle dans la dernière édition de Shadowrun. C'est le 20e anniversaire notamment. À Seattle, il y a eu un certain événement qui a marqué l'histoire. Donc, on va reparler de tout ça. Il va y avoir les fixeurs, donc ça va être vraiment très imprégné dans l'univers. L'intrigue va nous montrer comment on peut faire autre chose que des mercenaires qui sont payés pour faire une mission. On va vraiment sortir du je fais quelque chose parce que je suis payé, plus que par des. Je le fais par intérêt personnel. Est-ce que je fais cette mission parce que d'un côté éthique, ça me plaît pas trop. Donc, il y a vraiment les vraies questions qu'on se pose quand on fait du Shadowrun, qui n'est vraiment pas qu'un jeu de mercenaires. Les musiques sont juste géniales. En fait, elles sont. Au début, on se dit, ouais, bof. Et en fait, à des moments, on entend certaines musiques qui nous font. Qui amènent au combat alors que c'est pas des combats. Donc, on joue sur des réflexes de joueurs. Et c'est vraiment très intéressant. Elles sont par moments pesantes, par moments plus calmes. Et on les oublie et finalement, on les a en tête assez longtemps. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est dans l'ambiance même du jeu, les petits détails qui font qu'on rentre dans le jeu. Par exemple, le fameux Seamstress Union, qui a son histoire, on apprend d'où c'est né, on apprend à rencontrer la patronne, qui va vraiment avoir une histoire très attachante. Donc plein de petits personnages qui gravitent autour vont apporter leur petite touche, parfois un côté mystique, parfois un côté humoristique. Qui fait que, enfin, par exemple, le videur du Seamstress Union, ça sert à rien de lui parler, mais il va raconter des petites anecdotes, donc c'est assez sympa. Et c'est quand même assez important pour comprendre l'univers de Shadowrun, qui est quand même un univers assez raciste. Pas comme à notre époque où le racisme est les blancs, les noirs, les asiatiques. Non, là, c'est les trolls, les nains, les orques. Donc, c'est une autre forme de racisme, et en plus, ça aussi incorpore ces nouvelles races fantasy
qui, dans les univers classiques, il y a un peu un côté bouffon. Là, ils sont vraiment intégrés dans la société, mais pas vraiment. Il y a plein de petites questions qui se posent. Par exemple, les trolls dans les transports en commun, ils galèrent un petit peu parce qu'ils prennent deux places, donc ils sont plein de petits problèmes comme ça. Donc, c'est une très belle source d'inspiration. Ça m'a redonné envie de jouer à Shadowrun. Shadowrun Returns est en français. Dragonfall est en anglais. Ça m'a même poussé à jouer un jeu en anglais, donc c'est vraiment incroyable. Bon, Google Trad pour traduire en langue de mots, ça marche très bien. Et donc, moi, là, grâce à ça, j'ai recommencé une campagne de Shadowrun. En plus, il y a l'édition 4e anniversaire qui est tellement bien faite que ça donne envie d'y rejouer. Donc, n'hésitez plus, ils sont à 15-20€ les deux, donc enfin chacun. Donc, c'est vraiment un très bon jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie et à bientôt. To the locomotion, nanana 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 nanana. C'est bon ça, Ouais.